Bonjour tout le monde. Bienvenue au Corps des carrières 2022. Je m'appelle Nadia Descollines, puis je vais avoir le plaisir aujourd'hui d'animer la session qui est intitulée Appliquer les principes TikTok à votre présentation lors d'une entrevue. Veuillez noter que cette session est offerte en français, mais qu'une session en anglais sur le même sujet est présentée simultanément. Please note that this is a French session. But there's an English segment on the same topic held at the same time on a different webinar. If you prefer to attend the English session, the link to that session will be available in the chat. Pour commencer, je tiens à souligner que le territoire sur lequel bon nombre d'entre nous assistent à cet événement en ce moment est le territoire non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Certains d'entre vous viennent peut-être de diverses régions du pays, comme je l'ai vu dans le chat tantôt. Donc, prenez le temps pour reconnaître le territoire que vous occupez en ce moment. Au fur et à mesure que se déroule la séance d'aujourd'hui, veuillez nous faire part des commentaires dans l'espace de discussion situé au bas de votre écran. Si vous voulez poser une question à vos panélistes, utilisez le bouton Q&R. Vous pouvez d'ailleurs voter pour les questions qui vous plaisent en cliquant sur le bouton du pouce levé et les questions les plus populaires seront posées à la fin de la session. Donc, afin de mettre en valeur les apprentissages qui sont prévus au cours de la session d'aujourd'hui, passons en revue les objectifs d'apprentissage pour ce segment. Donc, après cette session, les participants seront en mesure d'apprécier l'importance de capter l'attention d'un public plutôt que de simplement lui parler, déterminer quelles sont les meilleures histoires à utiliser pour établir un lien avec les autres, utiliser une approche structurée pour développer leurs histoires et éliminer l'anxiété liée à la narration en la rendant amusante. Pour nous guider à travers tout ça, c'est un honneur pour moi de présenter nos panélistes d'aujourd'hui. Regardons les cartes qui sont à l'écran. Mélanie Copeland, qui s'est récemment jointe au bureau de transformation ISDC à titre de gestionnaire principal, à la tête du secrétariat du Bureau de la transformation, où elle est responsable de la supervision des fonctions de gouvernance et de communication relatifs aux efforts de transformation au sein du département. Mélanie est aussi membre associée du corps professoral de l'Académie numérique de l'École de la fonction publique du Canada, où elle enseigne et défend la façon de moderniser la fonction publique. Notre deuxième panéliste est Gillian Leblanc. Gillian Leblanc est une spécialiste des politiques féministes qui travaille pour le gouvernement du Canada en tant que conseillère principale en communication, consultation. Elle est également la déléguée principale sortante représentant les jeunes diplomates du Canada auprès de l'OCDE. Avant de se joindre au gouvernement, Gillian a travaillé pour l'Organisation nationale à voix égale et pour Skills Compétences Canada. Donc, nous savons tous que TikTok captive le public. Mais si on examine les choses de plus près, on se rend compte que cette plateforme-là ne fait pas juste que permettre la transmission de messages concis de manière amusante, que la plateforme permet de transmettre des messages de façon concise, de manière amusante, en étant vraiment soi-même, puis parfois en montrant son côté comique. Faut noter que le panel d'aujourd'hui ne va pas discuter de la manière d'utiliser TikTok, mais plutôt partager comment les principes de concision et de captivité présents sur TikTok peuvent vous aider à construire et à raconter votre histoire. Par curiosité et de manière à commencer la question, voici une petite question pour vous, les gens du public à la maison. Voici notre sondage. Avez-vous confiance en vos capacités à vous raconter lors d'une entrevue? La question restera affichée à l'écran pour une quinzaine de secondes. Par la suite, on va pouvoir voir les résultats. Donc, pendant qu'on attend les résultats, que je vous invite à cliquer. Excusez-moi, j'attendais de voir les résultats. J'étais comme impatient de les voir comme tout le monde les voit. On voit que il y en a beaucoup d'entre vous là, qui n'êtes pas tout à fait sûrs, confiants de vos capacités à ce sujet-là. Donc, vous êtes définitivement au bon endroit pour en apprendre plus avec nos deux panélistes qui sont fantastiques.
Donc, en parlant des panélistes, c'est le temps d'aller à nos deux vraiment fantastiques experts qu'on a pour vous pour la séance d'aujourd'hui. Donc, commençons avec Mélanie Copeland. Salut tout le monde, je suis tellement contente d'être ici. Nadia, je crois qu'il y en a plusieurs qui vont être déçus qu'on ne va pas les montrer comment utiliser TikTok, mais inquiétez-vous pas, on ne vous laisse pas tomber, vous allez sortir de cette session avec des vraiment bons trucs, des vraiment bons conseils. Alors, bonjour tout le monde, je suis Mélanie Copeland, je vous joins aujourd'hui du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe. Je suis environ 15 minutes du Kitchissippi, aussi connu comme la rivière des Outaouais. Alors, monsieur, c'est ça, monsieur Marc-André va montrer mes diapos. Merci énormément. Alors, on peut tout de suite aller à la prochaine diapo. Aujourd'hui, on va prendre le temps un peu de vous montrer qu'est-ce qu'on peut apprendre des principes TikTok. Écoute, on a tout exploré TikTok. Moi puis mon mari, le soir, on se compare les meilleures vidéos. Et il y en a qui sont meilleures que d'autres, il y en a qui sont drôles, il y en a qui sont sérieux. J'ai certainement pris la chance d'expérimenter un peu de mon côté. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de TikTok? Comment se faire connaître, même avant qu'on se rende au stage d'entrevue? Il y a des petits trucs que j'ai pour vous autres. Comment être intéressant, mais rester authentique? Comment se rendre mémorable? Hey, cette personne-là, tu te rappelles la personne qu'on a passée en entrevue? Elle était tellement formidable, on devrait vraiment la rappeler ou lui jeter un coup de fil. Et comment utiliser les principes de TikTok, les principes de théâtre, de performance pour compenser pour ses faiblesses? Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Je vous raconte un peu mon histoire. Alors, moi, j'ai commencé. Mon expérience avec le gouvernement du Canada en 2006 lors de mon tout premier stage coop pendant mon baccalauréat en commerce à l'Université d'Ottawa. J'en ai fait des sessions coop. Écoute, je pense que j'en ai fait quatre ou cinq, un terme F-SWEP, un terme occasionnel, pour enfin me rendre comme AS1 au service correctionnel. J'avais tellement hâte de commencer ma carrière, de construire mon réseau, de prouver à quel point j'étais compétente et je méritais mon bac. Mais je me suis retrouvée en bas des échelons, sans réseau, dans un environnement que je ne connaissais pas. Alors, je vais vous montrer un peu comment je me suis sortie un peu de ce dilemme. Par la suite, après tous mes stages coop, j'ai passé environ 10 ans au service correctionnel. J'ai passé un peu de temps à la commission de la fonction publique. Et ensuite, je me suis rendue à Transport Canada et maintenant avec EDSC, Emploi et Développement Socio-Canada. Aujourd'hui, comme certains de vous le savez, je suis très vocale sur les médias sociaux, sur Twitter et LinkedIn. Et j'enseigne aussi à temps partiel le cours I800, Moderniser la façon dont on livre les services dans la fonction publique avec l'Académie numérique. Alors, ça a été tout un parcours. Pendant ce temps-là, j'ai aussi fait une maîtrise en affaires. Donc, je me suis gardée pas mal occupée. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Tout a changé pour moi en mars 2018. Alors, je me suis retrouvée encore au service correctionnel. Je venais de compléter mon premier congé de maternité. Je commençais à voir des employés de Transport Canada sur Twitter, sur LinkedIn, parler ouvertement de leur travail, s'envoyaient des articles, ils montraient, ils envoyaient les liens à leur présentation. Même les gens des hauts échelons étaient sur les médias sociaux. Je me suis dit, OK, fear of missing out, la peur de manquer. Je dois me joindre à cette organisation. Donc, j'ai appliqué à des pools, des compétitions et finalement, Julie Lee m'a appelé pour m'offrir la job. J'avais tellement hâte de commencer. Alors, c'était vraiment mon introduction au thème des standards numériques. Si vous ne savez pas c'est quoi, Google it, standard numérique en anglais, GC Digital Standards. Ça a vraiment changé ma vie et changé la façon dont j'approche tous les défis dans ma carrière. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors,
j'ai parlé au début de la présentation comment j'ai trouvé ça difficile, la transition entre les études à mon bac et j'étais top de ma classe. Je lidais tous les travaux d'équipe. Puis je me suis retrouvée comme AS1 au bas de l'échelon. Oh mon Dieu, comment je vais m'en sortir? Comment je vais monter? Je ne connais personne. Il n'y a personne qui sait comment je suis intelligente et compétente. Alors, comment s'en sortir? Comment commencer à se faire connaître? Ça commence avec toi. Fais du travail de qualité et célèbre ton travail. Donne le crédit aux gens qui sont venus t'aider. Avec qui as-tu collaboré? Poste un tweet, poste un lien vers ta présentation. C'est comme ça que ça commence. Écoute, j'avais même pas de compte Twitter avant mars 2018. Là, j'en ai 2000 plus followers. C'est possible. Alors, commence à en parler ouvertement de votre travail. Les gens vont commencer à te connaître pour un certain brand. Les gens commencent à me connaître maintenant pour la transformation, le leadership moderne, la gestion de changement. Commence à identifier, OK, ça va être quoi mon brand? En quoi je veux me spécialiser? C'est quoi qui m'intéresse? Et puis, ça prend du temps. J'ai viré à la gauche, à la droite de ma ligne. Je suis allée dans les mauvaises lignes. J'ai étudié les mauvaises affaires. Il y a eu des leçons qui ont été apprises. Par contre, maintenant, je trouve que je suis pas mal confortable dans ma zone. Ça semble fonctionner pour moi. Et ça me donne d'autres opportunités dans le domaine qui m'intéresse le plus. Prochaine diapo. Alors, comment rendre votre histoire mémorable? Vous êtes en entrevue, vous voulez faire un impact, vous voulez que les gens qui vous passent à l'entrevue se rappellent de vous. Vous voulez attirer possiblement des offres d'emploi, des gens qui sont à l'écoute. Peut-être vous faites une présentation. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Chasma. Si vous ne connaissez pas la conférence Forward 50, ça se passe à chaque année. D'habitude, c'est au temps d'automne. Et Chasma s'est porté volontaire pour présenter une solution à un problème systémique dans le gouvernement du Canada. Et la façon dont elle a livré son message, son plan, et son « her call to action », alors comment qu'elle a mobilisé les gens qui étaient à l'écoute. Écoute, c'était incroyable, je ne vais jamais m'en oublier. Alors, tous les participants avaient des diapos derrière eux, il y avait des guides visuels, elle n'avait même pas de diapos. C'était juste elle qui parlait du fond de son cœur, de son expérience personnelle. Puis qu'est-ce qui a vraiment complémenté son histoire, c'était comment elle a démontré ses compétences. Son plan était tellement solide. Je me rappelle, j'avais tweeté « Take my money, Chasma. Take all my money. I'm sold. » Alors, pour vous donner un peu plus de détails, dans le chat, je vais mettre un lien vers sa présentation. Je suis désolée, c'est en anglais. Par contre, je vais voir si je peux le traduire. On peut retourner encore à la diapo d'avant. Marc-André, merci beaucoup. Alors, la façon qu'elle a structuré, vous allez voir sur Google Docs dans le chat, elle a raconté son histoire. Un gestionnaire m'a contacté après avoir entendu que j'avais vécu une micro-agression au travail. Elle a écouté mon histoire, m'a laissé guider le processus de résolution et a tenu ma main jusqu'à la fin. Elle m'a fait sentir que j'appartenais, m'a appris que les dirigeants défendent toujours les gens. Je ne l'oublierai jamais, ni cette leçon. Ensuite, après ce banner d'introduction, elle a proposé son plan qui était tellement bien structuré. Je propose un plan pour créer les conditions d'appartenance à une équipe distribuée. Elle a parlé de son expérience de travail au niveau professionnel et personnel dans ce domaine sur des équipes distribuées. Et elle a procédé à donner son pitch. Alors, je vous invite à regarder en détail sa présentation dans le Google Doc. C'était vraiment bien structuré. Alors, prochaine diapo maintenant. Une autre façon de vraiment capturer l'attention de votre audience, de se faire connaître même avant
que le processus soit lancé, c'est de créer un résumé impeccable. Je crois qu'il y avait des sessions hier sur comment créer comme un résumé moderne. Je vous partage le résumé de Val. Je vais mettre son nom dans le chat, Val Goudreau. Vous pouvez la trouver sur LinkedIn. Voici comment elle a appliqué à mon équipe. Elle a utilisé une image d'un bureau. Elle l'a mis dans Miro. Si vous ne connaissez pas Miro ou Miro.com, formidable comme outil. Et elle a mis sur le petit ordinateur qui est sur le bureau là, si tu fais un zoom in, tu peux aller voir son résumé sur l'ordinateur. Et sur les photos sur le mur sont des exemples visuels, visibles, des projets qu'elle a créés dans le passé. Alors, quand je parle de montrer votre travail, parler de votre travail de façon très visible, voici ce que je veux dire. Alors, voici un très bon exemple. J'apprends à la connaître, je vois qu'elle est créative, je vois qu'elle prend de l'initiative, je vois qu'elle est confortable avec le numérique. Sign me up, je veux la rencontrer. Prochaine diapo. Alors, comment se rendre intéressant, mais rester authentique? Donc, il y a genre une recette magique. Alors, premièrement, il faut vraiment bien se connaître. C'est quoi nos valeurs? Est-ce que la santé mentale, c'est important pour toi? Est-ce que la nature, c'est important pour toi? C'est la cause vers un environnement vert. Est-ce que servir les citoyens, c'est important pour toi? Alors, essaye d'identifier qu'est-ce qui te donne le drive le matin? Qu'est-ce qui te donne la motivation quand tu te réveilles? Qui te donne la motivation à continuer et de faire du bon travail pour le gouvernement? Alors, pour moi, vraiment, c'est comment moderniser la façon dont on livre les services pour que les personnes les plus vulnérables ont qu'est-ce qu'ils ont besoin quand ils en ont besoin le plus. When they need it most. Alors, je suis tellement fière de me joindre à Emploi et Développement Social pour pouvoir aider avec la cause. Alors, connaître ses valeurs, choisir ta voix et rester positive dans votre message. Alors, comment compenser pour ses faiblesses? Pour moi, je suis quelqu'un de vraiment socially awkward. Alors, j'ai aucun problème présenter, faire un peu de théâtre, mais avoir une interaction en personne au niveau social. Écoute, je suis super boring, je n'ai pas de vie à l'extérieur du travail, je ne sais pas de quoi parler, je suis vraiment awkward. Alors, je compense pour cette faiblesse en faisant semblant que je suis en train de performer. Pour moi, là, c'est ma façon de gérer mon anxiété pendant une entrevue, même pendant des présentations. Je m'entoure aussi de gens qui compensent pour mes faiblesses. Alors, moi, je ne porte pas très attention aux détails. Alors, je m'entoure de personnes qui vont catcher tous les détails. Écoute, non, t'as une faute d'orthographe. Écoute, on est en retard pour ce livrable. Je m'entoure de gens comme ça. Alors, si vous croyez que vous avez une faiblesse dans un certain domaine, allez chercher un mentorat, allez chercher des tips and tricks des gens autour de vous au bureau. Que vous pouvez suivre au bureau, shadowy, avoir des petits chats. L'image ici en haut à droite, ça c'est Rob. Rob n'est pas super confortable à présenter en avant d'un gros audience. Alors, la façon qu'on a encouragé Rob, parle du fond de ton cœur. Tu es un inspecteur, tu sais comment parler aux inspecteurs. Tu es dévoué au changement, à la transformation. Parle de cette histoire, parle des choses que tu vois dans ta région en Atlantique. Alors, il a tellement bien réussi cette présentation, puis tu vois que tout le monde était super content d'être là cette journée-là. Alors, prochaine diapo, je pense qu'on est presque fini. On se voit en ligne. Alors, j'adore rester en contact avec les gens qui rentrent dans le service public, les nouveaux arrivés, ceux que ça font longtemps qu'ils sont ici, alors allez me trouver, je vais vous suivre, je vais vous ajouter et je vais passer la parole à Nadia pour présenter Jillian. Merci Mélanie, vraiment une introduction vraiment très intéressante. Puis on va continuer sur cette lancée avec Jillian Leblanc, donc je la laisse se présenter et nous faire une belle introduction. Merci Nadia, merci Mélanie. Est-ce que tout le monde peut m'écouter? M'entendre? Excellent.
OK, merci. Je vois un thumbs up. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Gillian Leblanc et je suis aussi sur la terre non cédée Algonquin et Anishinaabe. J'ai grandi au nord de la Colombie-Britannique sur les terres Wet'suwet'en et sur la terre Nishka. Alors, je suis très heureuse de voir tous mes collègues franco qui sont en nord de l'Ontario, en nord de la Québec. Alors, bonjour tout le monde qui est en nord de ces deux provinces-là. Les francophones, francophiles qui sont dans ces provinces-là, je vous aime aussi, mais je viens de la Colombie-Britannique, un place avec pas beaucoup de francophones. Alors, merci Mélanie pour l'introduction et pour commencer, pour lancer cette session. Mélanie est une femme très connectée, très respectée au sein du gouvernement et avec beaucoup de choses intelligentes à dire. Alors, j'espère que tout le monde a prenait des notes et va connecter avec Mélanie après. Alors, pour mon présentation, Mélanie et moi ont connecté et fait un peu de un back and forth avant de cette présentation et on a décidé que moi je vais présenter un peu des leçons d'un intervieweur. J'étais sûre carrément les deux côtés d'être interviewée, la personne qui est interviewée et l'intervieweur, la personne qui fait les interviews. Et moi, je vais parler de comment réussir pendant des interviews. Alors, comme j'ai dit en avant, je suis un francophone de la Colombie-Britannique. Je suis un communicateur. Alors, je travaille beaucoup au sein de la communication dans la fonction publique et j'ai fait beaucoup de politique féministe avant aussi. Ça, c'est mon cinquième année dans la fonction publique au sein du gouvernement du Canada. J'ai travaillé conseiller secrétaire de Trésor et maintenant, je travaille à immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Je veux juste reconnaître que je m'exprime dans un endroit privilégié et dans le cadre de cette conversation, il existe des obstacles systémiques de notre système que je ne vois pas et que je n'expérience pas. Alors, je ne parle pas plus que mon expérience et je ne représente pas des autres perspectives. Je représente seulement mes perspectives au sein de ce système ici. Et je vais aussi indiquer que... Oh, est-ce que je peux juste reculer? Merci. Et je suis un gestionnaire pour la première fois cette année. Alors, j'ai commencé d'être gestionnaire dans mars 2021. C'était une étrange expérience de voir tous mes collègues virtuellement et de vraiment grandir une équipe et faire et des entrevues et choisir des gens pour joindre notre équipe tout en ligne. Alors, c'est un nouveau monde qu'on a vécu pendant la pandémie. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes quand on gère des interviews? Nous souhaitons connaître votre histoire. On veut vous faire sentir à l'aise et répondre à vos questions. Mais nous aussi veut savoir des détails de la personne et des questions de suivi. Et on veut voir que vous répondez des questions qui répondent aux critères de la poste de l'emploi. Prochaine diapo. Merci. Et beaucoup de personnes ne sachent pas ça. C'est vraiment un système point. C'est pas vraiment une chose qui est vraiment advertisée, mais c'est un système de points qu'on a sur l'écran. Alors, beaucoup de fois, on a un écran comme ça, un autre écran là, on prend des notes, on tape des notes à propos de toi et on vous coche des boîtes. Alors, c'est un système de points et vous pouvez être aussi dynamique que vous souhaitez, mais nous voulons qu'on coche une série de boîtes pendant l'interview. Et si on ne coche pas des boîtes, on ne peut pas vous avancer à la prochaine étape dans le processus de l'embauche, dans le processus d'entrevue. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Alors, les entrevues sont un échange vraiment de l'information. Vous nous donnez de l'information et si vous avez besoin, nous vous donnons de l'information. Alors, c'est vraiment pas
d'utiliser en anglais, un anglicisme, RuPaul's Best Friend Race, c'est vraiment, on veut voir l'information. C'est une relation transactionnelle. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'anxiété de est-ce que les personnes veulent m'aimer, est-ce qu'ils ne m'aiment pas, c'est vraiment pas à propos de toi, c'est vraiment un échange d'informations, c'est pas personnel, c'est pas si on ne vous avance pas à la prochaine étape, c'est pas que on vous aime pas, c'est vraiment on peut pas cocher des boîtes, on n'a pas réussi avec des points. Prochaine diapo. Alors, ça, c'est des conseils pour donner des exemples dans l'interview. Alors, beaucoup de l'interview, je ne sais pas si des personnes ici ont déjà fait des entrevues au sein du gouvernement où vous êtes dans vos bacs, dans un changement de carrière et vous voulez faire des interviews au gouvernement, mais on vous demande pour donner nous des exemples de la travail. Alors, ça, c'est le temps de parler de vous. Je vois beaucoup de personnes et c'est quelque chose... qui est une bonne qualité de travail, de parler de « oh, c'est un travail d'équipe, j'ai travaillé avec mon équipe », mais on n'est pas ici pour interviewer votre équipe. On est ici pour interviewer vous et votre expérience. Alors, c'est vraiment, c'est votre heure de gloire. Vous n'avez pas parlé des autres, parlez à la première personne. Alors, je fais ça quand j'étais à l'université, j'ai travaillé sur blablabla. Alors, c'est important de parler de vous-même et de parler vraiment de vos accomplissements. La prochaine chose, c'est discuter le processus. Alors, ça, c'est quelque chose d'important pour donner des exemples. Alors, qu'est-ce que vous avez accompli? C'était quoi les effets de votre travail? Est-ce que vous pouvez pointer à des rapports, des présentations, des événements, des rétroactions positives des clients, des autres managers dans le cadre de votre travail? Et aussi, servez-vous de les chiffres pour vous aider à quantifier les éléments. Alors, si Nadia était dans une interview maintenant, elle a dit, j'étais une modératrice d'une session de 1h30 avec 144 personnes et 5 panélistes. Alors, ça, c'est vraiment, je peux comprendre, oh, c'était pas juste une petite réunion, c'était une grande réunion avec beaucoup de personnes. Alors, c'est important de donner les chiffres si vous avez des chiffres qui correspondent à votre exemple. Et répétez des mots. Alors, des fois, on veut, pour cocher des boîtes, on veut que vous répétiez nos mots. Alors, un exemple que j'ai dit, que j'ai indiqué dans mes notes, c'est si je vous demande dans un exemple, dans une entrevue, quelle est votre expérience de travailler avec des partenaires externes, alors en hors de le gouvernement? Répondez, j'ai 2 ans de l'expérience de travail avec des partenaires externes dans le cadre d'un X. Parce que c'est difficile de faire des inférences. On ne peut pas voir ce qui est dans vos cerveaux et on ne peut pas faire des inférences en hors de la contenu de l'interview. Alors, c'est important de dire des mots clés, de répéter la question. Si vous ne savez pas la question, demande à l'intervieweur, est-ce que tu peux répéter des questions? Est-ce que tu peux donner un exemple? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu as besoin de plus de l'information? Alors, c'est vraiment important de répéter les mots et utiliser les mots clés pendant le processus de l'entrevue. Et souligner les effets et les résultats. J'ai dit ça en avant déjà, d'utiliser les mots pour quantifier votre expérience et sans aller trop dans le détail. C'est un balance délicat pour avoir assez d'informations avec pas trop d'informations. Et comment avez-vous réussi? Qu'est-ce que vous avez accompli? Y a-t-il des moments qui ne sont pas déroulés comme vous avez prévu et qu'est-ce que vous avez fait? Alors, ça démontre l'initiative, ça démontre la flexibilité, l'adaptabilité au changement.
Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience un peu challenging et que feriez-vous différemment de la prochaine fois qu'une situation similaire se présentera? Alors, ça, c'est juste des conseils pour donner des exemples pendant une entrevue et pour structurer vos réponses dans les interviews. Et si vous voulez cette présentation, je peux envoyer, je pense que Marc-André aussi peut envoyer cette présentation à vous après. Alors, après l'entrevue. Alors, c'est important, même si l'entrevue est un succès, c'est toujours excellent de demander une rétroaction. Moi, je fais ça quand j'ai réussi à des entrevues. J'ai dit où sont des places où j'ai peut-être pas réussi beaucoup de points, où sont les places où j'ai réussi beaucoup de points et où est-ce que je peux peut-être changer des choses la prochaine fois. Moi, je fais ça avec les personnes que j'embauche et c'est vraiment un exercice très utile pour augmenter vos compétences et vos connaissances dans les interviews. Et si vous n'avez pas réussi, ce n'est pas un problème. C'est souvent pas à cause de vous et votre personnalité, c'est vraiment plutôt la raison de les expériences et les gestionnaires responsables de recrutement et recherche. S'ils ne matchent pas, vous n'êtes pas la bonne personne pour la position. Tu peux demander à l'intervieweur pourquoi vous n'avez pas choisi. Ça, c'est une chose que les personnes que j'ai déjà fait des entrevues avec ont demandé à moi pourquoi je n'étais pas choisi. Et je lui donne des exemples de où il peut changer les réponses, où ils n'ont pas réussi à obtenir des points pour avancer. Et c'est vraiment une chose que j'ai fait 1 heure, 2 heures avec des personnes sur le téléphone, sur des personnes sur Teams déjà, pour donner une rétroaction vraiment positive. Je ne veux pas qu'ils sortent de l'expérience en pensant que je ne suis pas une bonne personne, je n'ai pas réussi parce que je suis une personne mauvaise. C'est vraiment ça, c'est une chance de donner des conseils pour la future. Si vous êtes vraiment intéressé à une position, à un poste après l'interview, vous pouvez demander qu'il conserve votre CV à votre dossier. Ça, c'est une chose que j'ai demandé déjà. Ça, c'est une chose que les personnes ont demandé à moi déjà. Et des fois, ça marche. Des fois, une personne quitte un poste après 6 mois et vous êtes la personne numéro 2 sur la liste. Peut-être qu'il a reçu de nouveau l'argent du budget et il a créé un autre poste et c'est vous qui a été choisi parce que vous avez vraiment impressionné l'intervieweur, mais vous n'avez pas été, vous n'étiez pas marqué la personne numéro 1. Et c'est aussi important pour voir si un bassin ou un pool en anglais sera mis en place. Alors, ça, c'est une chose importante pour demander les questions après l'entrevue, même si vous êtes réussi ou pas réussi. Et continuez. Prochaine diapo, merci. Continuez, faites des interviews encore et encore et encore. Comme j'ai dit en avant, ça c'est mon 5e année au gouvernement du Canada et j'ai fait beaucoup d'interviews. Je pense que dans la dernière année, c'est la première fois que je suis vraiment confortable dans les entrevues. Alors, ça m'a pris 4 ans pour faire tellement d'interviews pour être confortable dans l'espace d'interview parce que c'est stressant, c'est effrayant un peu et c'est vraiment, comme Mélanie a dit, pour une personne avec anxiété, c'est pas vraiment une place vraiment confortable que nous êtes. Alors, c'est important de vraiment, quand vous allez au gym, de flexer ce muscle de travailler ce muscle des interviews pour faire encore et encore. Et je sais qu'être rejeté, c'est désagréable, mais quand vous êtes rejeté beaucoup de fois, j'ai été rejeté pour beaucoup de postes que je suis appliquée à, c'est vraiment un peu moins effrayant et je prends moins personnellement. Je juste dis, je n'étais pas la personne pour le poste, je n'avais pas des compétences qu'il a besoin et je procède à notre entrevue. Alors, c'est vraiment important pour savoir ça. Et incessamment, si vous ratez l'interview, c'est rien contre vous personnel et c'est pas à cause de vous, c'est plutôt une raison de la poste. Et prochaine diapo.
Merci. Et je sais qu'on a des questions qui seront posées à la fin de la session. Alors, je suis hâte de voir vos questions. Et si vous avez des questions, commentaires après la session, vous pouvez communiquer avec moi en ligne à commercial Jillian Leblanc. Je suis sur LinkedIn, Twitter et Instagram. Alors, merci. Et je passe la parole maintenant à Nadia. Merci, Jillian Leblanc, pour vraiment là, des conseils super clairs en matière d'échange d'informations, parce qu'après tout, c'est de ça qu'on a les questions. Donc, comme Jillian vient de nous dire, c'est le temps de continuer à travailler nos muscles. Passons maintenant à nos questions, certaines questions pour continuer à les pratiquer. Donc, plusieurs personnes là, trouvent que les entrevues en personne étaient plus faciles dans le temps où on avait des entrevues en personne, Mélanie, parce que les gens pouvaient utiliser leur langage corporel pour contribuer à transmettre leur message. Puis ça, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu dans le monde virtuel. Donc, comment est-ce qu'il est possible d'optimiser son impact lorsque le public ne voit que ma tête? Le mute! Super bonne question, Nadia. Merci énormément. Écoute, comme j'ai mentionné, pour moi et mon style, moi, je suis plutôt anxieuse en personne. Donc, le talk about, you know, putting the sweats on. Là, je sue, je suis anxieuse, j'ai les mains qui dégoûtent. C'est beaucoup plus stressant pour moi, personnellement, d'être en personne. Mais je sais que pour certaines personnes, c'est vraiment leur forte. Hein? En personne, ils peuvent montrer leur charme, utiliser un peu d'humour. Ils utilisent leur langage et leurs mains. Tu sais, c'est pas évident sur une caméra. Donc, je dirais, prends avantage du numérique. Un exemple, puis j'essaie d'encourager cette façon de travailler à EDSC. Étant donné qu'on est en train de faire une entrevue numérique, vous pouvez utiliser et montrer certains de vos outils. Alors, tandis qu'on est en personne, tu sais, tu es peut-être limité à la distribution de diapos de façon imprimée. Mais dans le numérique, vous pouvez aller utiliser Miro. Vous pouvez utiliser un vidéo que vous avez fait. Vous pouvez même montrer un TikTok et la façon que vous engagez avec votre public. Alors, je vous encourage, numéro un, d'utiliser des outils numériques. Montrez comment vous êtes habile avec l'outil Teams, l'outil Zoom. Vous pouvez dire, écoute, une des meilleures choses qu'on a vues quand on a passé des gens en entrevue, puis c'était un niveau assez haut, EC7, mais ça nous a quand même frappé. C'est les gens qui ont pris de l'initiative et qui ont dit, écoute, si je peux partager mon écran pour deux instants. Alors, ils ont commencé à partager leur écran, ils ont montré le travail qu'ils faisaient, comment ils étaient organisés. Utilisez-le comme un avantage encore pour montrer de façon très visible sur quoi vous travaillez. Alors, ça serait mes conseils. Merci beaucoup, Mélanie. C'est vraiment des bons conseils quand on commence sa carrière, puis même à n'importe quel stade de sa carrière. Donc, Jillian, tu sais, je t'écoutais parler de parcours professionnel, les entrevues et tout. Puis, quand je pense à mon propre parcours professionnel, il n'y a rien de super excitant, puis énervant et fantastique. Donc, qu'est-ce qui serait un exemple un peu ennuyeux, mais qui fait quand même une bonne histoire en entrevue? Oui, merci, Nadia. Je vais juste ajouter la question de Mélanie et aussi la question de, je crois, José dans la chat. Alors, comment est-ce qu'on peut devenir confortable sur la caméra? Alors, moi, j'ai déjà fait des interviews quand l'intervieweur est assis comme ça, il ne me regarde pas dans les yeux, il fait comme ça, il vraiment fait des autres choses sur la caméra, qu'il me fait comme ça. Je suis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Comme, c'est vraiment pas confortable pour la personne qui est interviewée. Alors, pour moi, je dis quand je fais des interviews, écoute, je ne vais pas regarder dans les yeux, je ne vais pas regarder comme ça, mais ce n'est pas parce que je ne vous écoute pas. Je vais tourner comme ça et dire, je suis en train de faire mes notes ici, vous êtes ici, je vous écoute, mais je tape des notes. Je ne fais pas de courriel, mais je tape des notes à propos de notre interview parce que c'est plus facile d'avoir deux écrans. Alors, je pense que c'est un peu sur les épaules de l'intervieweur de rendre la personne qui est sur caméra confortable.
Je pense que c'est aussi important répondre à votre question, José, d'avoir de la bonne lumière. Si tu peux, si vous avez le budget, j'ai acheté une lumière pour Instagram. Tu peux voir la différence quand je fais ça. Et quand je fais ça, mais ça me rend plus confortable et je sais que la lumière est bonne, je sais que tout le monde peut me voir. Aussi, j'aime porter cette chandail, ça me donne beaucoup de confiance. Alors, je sais aussi que Mélanie et moi, on parlait en avant de son Greta Van Fleet t-shirt. Alors, je pense que c'est important de faire des petites choses comme ça, avoir un tasse d'eau près de vous, avoir de la bonne lumière. Porter votre chandail préféré et ça m'aide beaucoup à me rendre beaucoup plus confortable sur la caméra. Vous pouvez éteindre vos caméras aussi si tu veux, si tu ne veux pas parler sur la caméra. Alors, des options pour que vous êtes confortable sur la caméra. Mais je pense, comme j'ai dit avant, comme Nadia a dit, c'est vraiment flexer le muscle, travailler ce muscle. Et même avant cette présentation, j'ai dit à mon copain, je suis nerveuse, je suis anxieuse de faire cette présentation et je fais beaucoup de présentations. Alors, peut-être cet sentiment d'être peur, cet sentiment d'être pas confortable, ça ne va pas vous quitter. Pour moi, même quand je fais des interviews, je peux mettre mon préféré chandail, avoir une bonne lumière, mon tasque préféré, mais je me sens inconfortable à ce moment. Alors, ce n'est pas juste toi, Josie, ce n'est pas juste toi, Nadia, qui se sent ces sentiments-là, c'est tout le monde qui se sent ces sentiments-là. C'est même quand je suis au bord, quand je fais les interviews, je suis un peu inconfortable aussi. Alors, c'est vraiment tout le monde, c'est un peu une étrange expérience pour tout le monde, mais je pense que si vous êtes l'intervieweur, il y a des petits trucs que tu peux faire que la personne soit plus confortable. Et si vous êtes l'intervieweur et il y a des petits trucs que vous pouvez faire aussi. Les questions, alors Josie, est-ce que ça vous aide un peu? Peut-être taper dans le chat? Oui? OK, je vais... Oui, okay, excellent, merci. Et à votre question, Nadia, je pense que tout le monde a une histoire importante. Je pense que tout le monde a une histoire intéressante. Et qu'est-ce que je donne des conseils à des jeunes et des personnes qui sont des étudiants? C'est vraiment, quand on fait des interviews pour les postes entry level, les postes comme les IS1, EC2, IS1, IS2, on ne vous pas demande les questions qu'on demande à les EC7, EC8, IX1. On ne va pas vous demander, donnez-nous un exemple d'un budget que vous avez géré de 1 million de dollars. Ce n'est pas une question que nous avons à vous poser. Ou donnez-nous un exemple de la gestion d'équipe de plus que 20 personnes. On vous demande des exemples pertinents à la poste. Alors, les questions vraiment de travail de l'équipe, de l'adaptabilité. Un exemple d'adaptabilité que tout le monde a, c'est le coronavirus et la période de confinement. Tout le monde a adapté à ça. Si on travaille quelque part, si on a une famille qu'on a chez nous, si on a à l'école, c'est vraiment un exemple d'adaptabilité, de flexibilité, de gestion de l'attente, de travailler seul, de travailler dans une équipe. Alors, c'est un bon, même si c'est un exemple un peu plat, c'est un exemple vrai. Pour moi, je veux voir des exemples basés dans la vérité, pas un exemple qui est vraiment fluff, qui n'est pas vraiment la vérité de votre vie. Alors, je pense que tout le monde a les histoires importantes, les expériences importantes et on choisit pas et on cherche pas pour un candidat de niveau EC8 pour un AS1. Alors, c'est vraiment, on a les différentes exigences pour les différents cadres de personnes. Je sais pas si ça répond à la question un peu. C'est une excellente réponse, puis je suis certaine que ça répond aux questions de plusieurs de nos participants. Donc, juste pour revenir à quelque chose que plusieurs personnes se posent aussi parfois, c'est que des fois, on a l'impression quand on passe à son expérience qu'il fallait être là pour bien comprendre cette expérience-là. Donc, comment est-ce que c'est possible d'expliquer une expérience qui peut être parfois
plus difficile à mettre des mots pour bien l'expliquer, à un panel d'entrevue sans être trop ennuyeux dans ses explications. Avez-vous des trucs pour nous? J'ai quelques idées là-dessus, Jill, si tu me permets d'aller en premier. Alors, premièrement, il y a la méthode STAR que j'utilise souvent. Alors ça, c'est une vraiment bonne façon et une façon simple de décrire la situation dans laquelle tu te trouvais dans le temps. Alors, c'était quoi la situation? C'était quoi tes tâches ou tes responsabilités dans le temps? Quelles étaient les actions que tu avais prises, genre pour résoudre le problème, pour faire avancer le projet? Et c'était quoi le résultat? Alors ça, c'est une technique vraiment simple de s'assurer, OK, j'ai vraiment couvert, check, 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 tous les détails de la situation, mes responsabilités, etc. L'autre façon, c'est de décrire un peu de façon visuelle la situation dans laquelle tu étais. Donc, nous, on fait souvent ça quand on parle de la transformation, quand on parle du futur du travail ou l'état futur qu'on essaie de créer. Quand j'étais à Transport et maintenant quand je suis à EDSC. En anglais, ça s'appelle foresight. Dis-moi de quoi a de l'air cette situation. Alors, on essaie de décrire en détail comment la personne se sentait. C'était quoi, comment avaient l'air les gens autour d'elle? Est-ce qu'ils étaient contents? Est-ce qu'ils étaient fâchés? Quand on parle de la transformation et de l'état futur qu'on essaie de créer, on dit, OK, écoute, imaginez-vous dans un futur où vous êtes en train de faire votre vaisselle. Vous recevez un texto sur votre téléphone qui dit, félicitations Mélanie, vous êtes éligible pour cette nouvelle prestation. On a livré 2 000 $ dans votre compte de banque. Je vous souhaite une belle journée. Imaginez un futur dans lequel le matin, vous embarquez dans une voiture futuristique. Il y a un robot qui vient vous donner votre café préféré chez Starbucks. En vous rendant au travail, vous répondez à des courriels et des éléments urgents. On essaie vraiment... T'es tellement drôle, Lynn. On essaie vraiment de décrire en détail notre environnement a de l'air de quoi. Même si tu essayais de décrire une situation à quelqu'un qui avait certaines limites visuelles. Alors, comment est-ce que je vais décrire cette couleur d'une façon qui pourrait être bien interprétée par cette personne qui n'a jamais vu de couleur? Ça, c'est une bonne façon de l'expliquer. Alors, je dirais un peu de storytelling, un peu de checklist, c'est quoi mon approche star. Je ne sais pas, Jill, si tu as d'autres idées à suggérer pour cette question. Non, c'est excellent, Mélanie. Vous êtes impressionnant storyteller. Vous avez des belles adjectifs d'écrivain. mais quand j'ai dit, je pense que c'est mon diapo numéro 6, un peu des conseils, c'est vraiment parler de vous. Comme Mélanie a dit, si quelqu'un demande la question, comment est-ce que vous travaillez à l'équipe, dit je travaille pas, ne disez pas je travaille pas avec des équipes, c'est seulement moi. Mais vraiment, ne commencez pas que la réponse est trop longue. Moi puis Marie-Pierre, on est retourné à Starbucks puis on a acheté 2 cafés. C'est comme non, c'est trop de détails. On a besoin pas de ça. Parlez de vous, parlez de qu'est-ce que vous avez fait pendant le projet, parlez de vos expériences, qu'est-ce que vous changerez, quel changement feriez-tu la prochaine fois. Mais ça, c'est pour vraiment toutes les questions sauf comment est-ce que vous travaillez avec une équipe. Mais aussi, discuter le processus, comme Mélanie a dit, de le processus STAR. Où est-ce que vous avez commencé? Est-ce que vous avez instigué le projet? Est-ce que votre direction, est-ce que ça vient le budget? Est-ce que ça vient des commentaires des intervenants externes? Qu'est-ce que vous avez fait au milieu? Est-ce qu'il y avait des reportages? Est-ce qu'il y avait des problèmes? Est-ce qu'on devait faire un pivot pendant le projet? Alors, ça, c'est le... Et qu'est-ce qu'on a fait à la fin? Est-ce qu'on a fait des reportages à le Parlement?
Est-ce que ça allait à les médias? Est-ce qu'on a fait une campagne de médias sociaux? Alors ça, c'est vraiment discuter le processus. C'est pas discuter, comme Lynn a dit, la fluff autour. C'est vraiment le processus. Et aussi, comme je crois, je sais pas votre nom, j'ai oublié, mais c'est vraiment, on peut demander pour répéter les questions si on comprend pas. Pour moi, je veux pas entendre une histoire ou un exemple de 10 minutes qui a rien à propos de la question. Je suis comme, OK, c'est cool, mais ça, c'est la question. Je peux pas vous donner des points si tu réponds pas à la question. Alors, tu peux demander la question, tu peux dire, j'ai pas compris ce mot, j'ai pas compris la question, est-ce que vous pouvez poser une autre façon, est-ce qu'il y a d'autres exemples? Et moi puis mon patron, on a fait un processus et on a vu que il y avait beaucoup de questions sur une de nos questions. Et on est comme, ah, OK, on a besoin de changer cette question après parce que ça, c'est pas une bonne question. Quand nous avons entré dans le processus, nous avons dit, oh, c'était une excellente question, tout le monde va comprendre, excellent. Et tout le monde est comme, ah, je comprends pas vraiment la question. On est comme, OK, excellent, on va changer la question après. Alors, c'est un bon, pour moi, quand quelqu'un me pose une question, c'est pas une chose néfaste, c'est pas une chose négative, c'est une chose positive que vous nous écoutez et vous besoin de plus d'informations et peut-être je dois changer mes questions dans les autres entrevues. Et aussi, comme Mélanie a dit, souligner les effets et souligner les résultats fait de la quantitative, les résultats, qu'est-ce qu'il y a eu à la fin et c'est quoi les changements. On veut voir qu'est-ce que vos actions, qu'est-ce que votre travail a fait tel changement dans votre travail. C'est peut-être vous travaillez dans une épicerie. Et vous avez changé où le pain est dans l'épicerie et ça a augmenté l'achat du pain pour 20%. Ça, c'est pas on ne besoin pas des exemples dans le cadre toujours dans le gouvernement, spécifiquement pour les postes AS1, AS2, RC2. On va voir des exemples de hors de le gouvernement. Alors, ça, c'est mon longue réponse à la question. Je ne sais pas si Mélanie, vous voulez ajouter des autres choses? Non, c'était formidable. Puis je vois, Karine apprécie beaucoup ta réponse. Moi, je suis quelqu'un de très visuel. Je pense que je l'ai dit comme 50 fois, pas dans la présentation à date, le mot visuel. Je ne suis pas très auditive. Alors, quand quelqu'un me pose une question, je prends le temps de l'écrire ou je le tape à l'ordinateur. Puis moi, j'interprète toujours ça. Si quelqu'un me demande de répéter la question, je le vois comme une vraiment bonne chose, que la personne prend le temps de bien écouter tous les éléments de la question, prend le temps de l'écrire. Et même si tu veux prendre quelques secondes pour réfléchir, en autant que par le temps que tu donnes ta réponse, ça flow, tu as tes idées, tu as une certaine logique, écoute, je te donne tous tes points. Alors, vraiment, des fois, prendre quelques secondes, une petite pause, prendre un petit respire, structure l'idée dans ta tête et ensuite, tu peux commencer. C'est vraiment smooth. Pour moi, c'est toujours très impressionnant. Alors, vraiment, pas s'inquiéter de répéter c'était quoi la question. J'aimerais ça continuer à parler de la gestion du temps là, parce que c'est vraiment une partie super importante là, d'une bonne performance en entrevue. Donc, à quelle portion de la réponse à la question posée est-ce que je devrais consacrer le plus de temps? Jill, si tu me permets. Je pense qu'il y a une phase de l'interview qui est plus importante que l'autre. Ouais. Si quelqu'un te demande, si l'intervieweur vous demande, est-ce que vous avez des autres choses à mentionner? Mentionnez des autres choses. Si vous n'avez rien mentionné, c'est un peu comme, oh non, il n'a pas mentionné ces deux mots-clés, ces deux exemples clés qu'on veut voir. Alors, si quelqu'un vous dit, est-ce que vous avez des autres choses à mentionner? Mentionner des autres choses. Absolument. Et oui. Aussi, c'est vraiment, quand vous êtes fini une question ou quand on a tous les points, tous les exemples qu'on a besoin, des fois, on est comme, OK, c'est assez.
c'est tout. On a eu toute l'information qu'on a besoin, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment une phase, une étape qui est plus importante que l'autre. Si on a besoin de plus de temps, j'ai fait des entrevues excellentes de 45 minutes, j'ai fait des entrevues excellentes de 2 heures. Alors, c'est vraiment comment vous présentez l'information, comment vous vous présentez, si vous êtes quelqu'un qui est vraiment concis, vraiment détaillé. C'est juste différent pour chaque personne. Comme on a dit, on n'a besoin pas de fluff, on n'a besoin pas de toute votre journée, mais c'est important de répondre à des questions. Et oui, toutes les questions sont importantes. Il n'y a pas une question qui va vraiment tourner votre interview. C'est vraiment, on veut voir la consistance entre toutes les questions. J'ajouterai aussi, Jillian, regardez bien les critères qui sont évalués. Donc, dans chaque question, tu devrais être en moyen de répondre aux critères qui est évalué. Alors, pour cette question, Mélanie, on va évaluer votre habileté de travailler en équipe. On va évaluer votre habileté de gérer les priorités. Alors, très important de s'assurer qu'on répond bien à ce critère, à la question. Je vous raconte une petite histoire. Quand je faisais ma gig de directrice par intérim, j'ai dû appliquer et faire un processus juste pour avoir le poste par intérim. C'était même pas pour avoir le poste indéterminé, juste pour vous montrer à quel point que des fois, on a des choses à surmonter. Alors, je réponds aux questions. Ils m'ont dit au début de l'entrevue que j'avais un temps précis. Alors, j'avais 30 minutes de consacrer à mon entrevue. Et à la fin du 30 minutes, je répondais encore à l'avant-dernière question. On me dit, désolée Mélanie, le temps s'est écoulé, on doit terminer l'entrevue. Mais par miracle, j'avais réussi en répondant aux autres questions de démontrer que j'avais la compétence qui était évaluée pour la dernière question. Alors, très important de bien regarder qu'est-ce qui est évalué, essayez de l'intégrer un peu ici et là dans vos réponses. Ça va vraiment vous permettre de bien cocher tous les critères qui sont évalués. C'est vraiment bon de garder en tête ces critères-là à évaluer. D'ailleurs, ça va faire partie de ma prochaine question. Mais juste avant, je tiens à rappeler à tout le monde de poser vos questions en ligne pour nos deux expertes. Elles sont là aujourd'hui pour répondre à vos questions. Vous pouvez utiliser la fonction ma version est en anglais, donc c'est Q&A. Ou en dessous, vous avez la version en français, Q&R, au bas de votre écran pour poser votre question. Puis, je vous encourage à vous tous et toutes qui êtes sur l'appel de vous présenter et de voter. Envoyer un pouce, cliquer sur le pouce vers le haut pour une question que vous voulez vraiment voir ou entendre la réponse de la part de nos panélistes. Et puis, elles vont y répondre un peu plus tard dans la conversation aujourd'hui. Donc, continuons sur le concept de points. Lynn nous demande est-ce qu'on peut prendre du temps pour se préparer avant de répondre, puis à quel point ça va influencer les points reçus, là, les fameux points qu'on a tous besoin pour rencontrer du succès là, dans une entrevue. Je dirais que c'est toujours de garder un équilibre entre le temps que tu veux prendre pour bien te préparer pour répondre aux questions et le temps alloué pour ton entrevue. Donc, pour l'entrevue de EX1 que j'avais fait, c'était comme Mélanie, gère ton temps. C'est à toi de gérer ton temps. Tu peux prendre le temps de réfléchir, de reposer la question. Évidemment, je n'avais pas bien géré mon temps, mais si tu te sens que ça te permettrait de mieux répondre, de juste prendre quelques secondes, tu peux juste le communiquer à la personne qui passe en entrevue. Alors, si vous me permettez, j'aimerais reposer la question. Donnez-moi une seconde, je vais juste continuer à prendre mes notes. Pendant ce temps-là, tu peux commencer à mettre tes idées en ordre. Donc, il y a des façons, genre, de garder la personne qui passe une entrevue informée de ce que tu es en train de faire, où tu peux juste comme remplir l'espace un peu, continuer à parler pendant que tu te fais des petites notes, qui te permet à te préparer à bien répondre à la question. Donc, si jamais tu vois des gens qui font de la comédie, qui sont en train de
créer un genre de scénario. Des fois, ils vont ajouter beaucoup de filler words, de mots filler, pendant qu'ils sont en train de préparer leur punchline. Donc là, je vais continuer à parler de ça pendant que je prépare mon punchline. Ou les magiciens, right? Je vais te distraire avec ça aujourd'hui, puis là, bang, je suis prête avec ma réponse. Donc, il y a des façons de manipuler un peu le scénario. Mais si tu t'es bien préparé, si tu as pratiqué avec tes proches, si tu te connais bien, tu connais bien ton expérience, je suis capable de me rappeler de diverses situations, tu n'auras pas besoin de prendre ce temps-là pendant l'entrevue pour préparer tes questions. Encore, je t'encourage de vraiment bien te préparer à l'avance, de bien connaître ton matériel, comme ça, l'entrevue peut aller un peu plus smooth. Oui, et je pense c'est pas qu'on veut des filler words comme homme, air, mais vraiment, ça c'est une excellente question. J'ai besoin de 10 à 20 secondes pour écrire des notes, puis je vais revenir à toi. Ou ça c'est une excellente question. Je vais juste checker mon LinkedIn, je vais juste checker mon CV pour voir le titre de document que j'ai fait. Alors, ça c'est quelque chose que c'est vraiment un filler de temps, mais c'est pas vraiment comme je ne sais pas, ça c'est une question difficile. Ou vous pouvez dire aussi, ça c'est une question compliquée, je veux quelques secondes pour voir mes notes, pour voir mon CV, pour répondre à votre question. Alors, ça, c'est quelque chose que tu peux faire dans l'entrevue qui prend du temps, qui vous permet d'avoir des commentaires en tête et pour se préparer avant de parler. Super. J'aimerais ça passer à la question la plus populaire en ce moment dans notre fonction questions-réponses, dans laquelle je vous invite à taper Archie au bas de l'écran et à nous en envoyer quelques-unes. Donc, la question la plus populaire en ce moment elle vient de Gabriel Garceau. Selon vous, quelles sont les meilleures questions à poser en fin d'entrevue lorsque la personne qui nous passe en entrevue nous demande la fameuse question? Avez-vous des questions pour moi? Donc, allez-y. J'aime entendre la question, c'est quoi la prochaine étape? Parce qu'on peut voir que la personne est intéressée, on voit que la personne veut être, aller dans le processus. Et je pense que c'est important de demander, c'est quoi la prochaine étape? Ou quand est-ce qu'on va entendre le résultat? C'est aussi une chose que je demande dans les interviews, qu'est-ce que vous aimez de votre poste? Qu'est-ce que vous n'aimez pas de votre poste et qu'est-ce que vous voulez changer? Et aussi, une question que je t'ai demandé, c'est quoi le jour à jour? Qu'est-ce que vous faites jour à jour? C'est pas vrai, ça change le poster de la poste high level de la jour à jour. Alors, je pense que c'est des questions bonnes pour demander aussi si vous avez besoin des accommodations à le travail pour n'importe quoi. Ça, c'est un bon temps pour demander pour les accommodements et aussi les accommodements, si vous avez besoin des accommodements pour les prochaines étapes de le processus. Alors, ça, c'est un bon temps pour donner ces exemples-là et demander des questions. Moi, qu'est-ce que je suggérais? Super bonne réponse, Jillian. Je vous dirais qu'est-ce qui m'a gagné le poste avec Corcan, qui est une organisation spéciale sous le service correctionnel et on offre des opportunités d'emploi aux délinquants. Alors, je rencontrais la directrice principale, la CEO de Corcan, puis je savais qu'elle avait sa maîtrise en affaires. Moi, je terminais ma maîtrise en affaires. Alors, je lui ai demandé, quel est ton plus grand défi maintenant et comment est-ce que je peux aider? Puis, elle m'a expliqué son défi. J'ai jasé avec elle, ce serait quoi mon plan concrètement, mes premières actions une fois que je me joins à l'équipe. Je le rends vraiment tangible, vraiment réel. Pensez un peu quand vous êtes en train de magasiner, puis en psychologie, on a étudié ça. Vous magasinez, le plus longtemps que vous tenez un objet au magasin, le plus probable que vous êtes à l'acheter. Alors, si vous prenez le temps avec la personne qui vous passe en entrevue de créer un petit plan rapidement de comment résoudre leur plus grand défi, écoute, ils vont te rappeler la prochaine journée.
Alors, prenez ce temps-là pour poser la question, quel est votre plus grand défi? Comment est-ce que je peux vous aider? J'aimerais passer à une autre question que nous avons reçue. Elle vient de Corinne Desfosses. Donc, sa question est, quelle est la différence entre l'entrevue pour un bassin et celle pour un poste spécifique? Jillian, peut-être? Je n'ai jamais participé à une entrevue pour bassin moi-même. Et j'ai juste fait une interview qui on a créé un bassin après. C'était la même interview pour la poste et pour créer le bassin. C'est différent à département. Et c'est aussi, j'ai jamais fait les deux côtés d'interviewer et interviewer spécifiquement pour créer un bassin. Alors, je vais passer la parole à Mélanie, mais de mon avis, c'est différent à chaque poster, à chaque poste. Parce que le but d'un bassin est différent est différent qu'une interview pour un poste et un bassin. Alors, je vais passer la parole à Mélanie pour ça. Tu as tout à fait raison, Jillian. C'est très, très, très unique à l'équipe qui sont en train d'embaucher, même la personne qui est en train d'embaucher. Alors, j'ai déjà appliqué à des bassins mais auquel j'avais déjà une certitude qu'il y avait un poste de disponible dans l'organisation. Des fois, on applique à des bassins, on ne sait pas si les postes vont être comblés. Des fois, c'est juste des bassins provisionnels. Alors, des fois, en vraiment travaillant son réseau, on peut parler directement avec des gestionnaires. Ils vont te laisser savoir, écoute, dans quelques mois, je vais lancer un bassin. J'aimerais vraiment que tu appliques. Je pense que tu rencontres les critères et je pense que tu vas facilement rencontrer les critères du processus. Alors, c'est tellement important de jaser avec les gens qui cherchent à combler leur poste à l'avance. Donc, travaillez vraiment votre network. Pour des entrevues, pour des postes spécifiques, écoute, quand j'ai appliqué pour Transport Canada, je savais que le bassin n'était pas pour être très gros. Ils cherchaient des compétences très spécifiques. Alors, je me suis dit, écoute, this is like a needle in a haystack. Je rencontre les critères. Je sais qu'il ne va pas y avoir beaucoup de personnes. Il me semblait comme c'est la personne qui embauchait recherchait soit à embaucher quelqu'un de spécifique ou chercher quelqu'un avec des compétences vraiment uniques. Alors, je me suis essayée. Ce n'est pas moi qui ai gagné le poste, mais j'étais la seule autre personne qui a qualifié dans ce bassin. On était deux personnes. Et c'est comme ça que Julie Lee s'est venue me chercher à Transport Canada. Donc, je dirais vraiment... Si sur le poster, il y a de l'information contact pour la personne des ressources humaines, jaser avec cette personne-là, aller chercher plus d'informations. OK, il y a combien de postes à combler? Est-ce que le bassin va être ouvert à autre organisation? Moi, je suis en train d'embaucher quelqu'un ici à EDSC qui est dans un bassin, qui a qualifié dans un bassin dans un autre département. Donc, encore, le réseau est tellement important. Commencez à connaître les gestionnaires dans le secteur public. Utilisez votre LinkedIn, votre Twitter, allez chercher leur nom, ajoutez-les. Parlez de votre travail, comme ça, cette personne-là va dire, écoute, j'ai vu quelqu'un sur GC Connects ou sur LinkedIn, puis il semble faire du travail vraiment intéressant. J'aimerais jaser avec cette personne, voir s'ils sont déjà qualifiés dans un bassin, si je peux aller les chercher. C'est ça. J'aimerais passer à une autre question de la part de notre public. Cette fois-ci, une question anonyme. Donc, est-ce que c'est mal vu si on répond à plusieurs questions avec le même exemple? Par exemple, en parlant du même emploi de l'emploi précédent, la personne mentionne qu'elle a l'impression de se répéter parfois. Les interviews à la fonction publique sont intéressantes parce que on ne peut pas vraiment inférer pour les prochaines questions. Alors, si vous répétez des exemples, c'est bon.
ont besoin de chaque question à des points. On ne peut pas vraiment dire, oh, là, ils ont dit ça, puis on va ajouter un point là-bas. On ne peut pas ajouter le point là. C'est vraiment, si tu utilises des différents exemples de la même emploi, c'est excellent. Si vous donnez de l'exemple de... je vais juste prendre un exemple pour moi. J'ai fait un rapport de gouvernement ouvert féministe. Alors, ça, c'est un... J'ai utilisé cet exemple dans une interview il y a 4-6 mois que j'ai réussi à la poste. Je vais vous joindre, Mélanie, dans un mois à RSTC. Mais j'ai utilisé l'exemple beaucoup de fois, mais j'ai dit, j'ai dû travailler avec une équipe. Faire la gestion des étudiants, gérer le temps des étudiants. J'ai dû travailler avec les partenaires externes. J'ai dû respecter l'acte de communication, l'acte de bilinguisme, l'acte ACS+, à le gouvernement du Canada. Alors, c'est un exemple que je peux utiliser dans les différentes façons. Je ne répète pas, j'ai fait un rapport comme 5 fois. J'ajoute quelque chose différent chaque fois. Et ça devient un exemple différent parce que je tire des aspects différents de cet exemple. Alors, pour moi, si quelqu'un utilise un exemple exactement la même chaque fois, je suis un peu comme, est-ce que vous avez des autres exemples? Mais si c'est un right fit avec la question, si tu peux tirer quelque chose de nouveau chaque fois, utilise le même exemple beaucoup de fois. Mais ça, c'est juste pour moi. Je ne sais pas si les autres gestionnaires ont la même avis que moi, mais pour moi, ça fait, je fais ça moi-même pendant les interviews et j'ai vu des autres personnes faire ça d'une façon excellente dans les interviews que j'ai assistées. Je suis complètement d'accord, Jillian. Comme tu le dis, on évalue chaque question individuellement. C'est correct de répéter. Et comme tu l'as dit, ajouter des nouveaux éléments à chaque fois. Écoute, le fait que je suis allée de Transport Canada à EDSC, je me trouvais dans une situation où que je parlais toujours de Transport Canada et les gens étaient vraiment tannés que j'utilise Transport Canada comme exemple. Donc, même moi, je me suis trouvée dans mon travail quotidien à essayer de trouver autre façon d'expliquer, de justifier, de valider les idées et les choses qu'on essayait d'avancer. Donc, c'est vraiment bon d'explorer les différents éléments, les détails de votre travail précédent. Je vois aussi une question dans le chat, Mathieu. Aussi, pour ajouter à ça, pour trouver des autres exemples, moi, c'est pas requis, mais c'est bon de faire d'assister à des groupes, de faire des bénévolats. Est-ce que vous avez participé à le gouvernement du Canada Charitable Campaign? Est-ce que vous avez ramassé de l'argent pour votre équipe? Moi, j'assiste à beaucoup de groupes informels à propos d'avancer la CS+. J'étais la championne de la CS+. Maintenant, je travaille avec le groupe antiracisme pour notre équipe. Alors, ça, c'est des autres choses qui me donnent, qui est important à faire. C'est important d'avancer la CS+, c'est important de bâtir le racisme au travail. Mais ça aussi donne des autres exemples au travail que je ne suis pas juste mon poste, je fais des choses en dehors de mon travail. Pas tout le monde a le même temps pour faire ça. Je comprends si vous avez des études, une famille, tout ça. Je comprends, mais si vous avez de la temps, c'est important pour la vie au gouvernement et pour avancer l'égalité au gouvernement pour assister à ça. Mais c'est aussi, ça démontre des différents facets de votre expérience. Donc, je veux juste passer à la question qui attire l'attention de Mélanie et de d'autres personnes aussi dans le chat, donc de Cédric, là, concernant le fait que dernièrement, il y a eu passé une entrevue de groupe de style coopératif,
Puis la question ici, c'est le même principe d'évaluation pour les entrevues individuelles. Je vous invite aussi, puisqu'on approche à la fin de notre temps pour la séance bientôt, de contribuer dans la fonction chat si vous voulez ajouter des explications ou des questions supplémentaires. J'adore cette question. Puis je pense que c'est à cause que j'adore ce style d'entrevue. Pour moi, la façon dont je construis mes équipes, les gens que je veux attirer, le travail qu'on fait en changement, en gestion de changement, en transformation, je cherche l'habileté de collaborer, de travailler en équipe. Alors, pendant les entrevues en groupe, j'évalue votre façon de contribuer aux idées des autres, d'aller chercher les forces de vos collègues, de donner des compliments, de ne pas dire non, genre comme les techniques d'improvisation, right? On ne dit jamais non. On construit sur les idées des autres. Alors, j'adore vraiment cette technique. Ça ne serait pas nécessairement... C'est peut-être une façon plus efficace d'évaluer ces critères-là, tandis qu'en entrevue individuelle, c'est un peu plus difficile d'évaluer. Je peux vous demander un scénario ou vous demander, selon votre expérience, décrivez-moi un temps pendant lequel tu devais travailler en équipe, puis qu'est-ce que tu as fait, etc., etc., etc. Mais pour moi, c'est beaucoup plus facile et certain d'évaluer ta compétence si je le vois live en avant de moi. C'est pas pour vous mettre sur le spot, c'est pas pour vous mettre inconfortable, mais c'est pour s'assurer aussi que le poste dans lequel tu vas te retrouver, c'est un bon fit pour toi aussi. Je voudrais jamais embaucher quelqu'un qui se sent pas confortable dans le rôle que je lui assigne. Alors, c'est une façon d'évaluer, OK, je pense, pour le candidat ou la candidate, est-ce que je vais aimer ce sort de travail? Évidemment, ils cherchent quelqu'un qui peut collaborer en équipe, travailler en équipe. Puis pour moi, c'est une façon d'évaluer ta compétence si c'est un poste que tu recherches. Jillian, je serais curieuse d'avoir ton point de vue sur cette question vraiment intéressante. J'ai rien à ajouter. Mélanie a pris tous mes points. Alors, merci Mélanie. On peut procéder à la prochaine question. Non! Donc, je veux revenir à quelque chose qu'on a beaucoup couvert là, en début de notre conférence, là, quand on faisait beaucoup référence à être soi-même, à être authentique. Ça pose d'autres questions parce qu'il faut trouver un équilibre entre être soi-même mais aussi à être une version professionnelle là, de soi-même. Donc, comment est-ce qu'on peut concilier le fait d'être décontracté, tendance, certains diront cool, si jamais ça se dit encore, de toutes sortes de qualificatifs, de combiner ça avec le fait d'être une professionnelle, puis être quelqu'un qui serait une personne là, vraiment intéressante à ajouter dans une nouvelle équipe, là. Donc, Jillian, as-tu quelque chose à ajouter sur ce sujet? Oui, je crois que c'est important de savoir votre propre limite. Comme pour moi, j'ai des choses que je vais parler à propos. Je suis très confortable de mon anxiété comme Mélanie, la santé mentale, c'est quelque chose que je suis très ouvert. Tu peux voir sur mes médias sociaux que j'ai l'anxiété et des problèmes avec la santé mentale. Ça, c'est quelque chose que je suis très confortable, mais ça, c'est pas quelque chose peut-être que Nadia est vraiment confortable avec. Et je vais jamais mettre mes limites sur les autres personnes. Alors, c'est important de savoir vos limites. Et c'est quelque chose que c'est difficile de, quand vous dites quelque chose, de retirer. Alors, pour moi, il y a le pouvoir de parler avec mes problèmes de santé mentale, de mon anxiété. Pour moi, ça me donne de la pouvoir parce que je retire mon narrative de ma vie. Pour quelqu'un d'autre, peut-être que ce n'est pas quelque chose qui le donne la pouvoir. C'est aussi si c'est quelque chose pertinent à la conversation. Maintenant, tu peux voir, mais ça, c'est un sale vraiment dégueulasse parce que j'ai juste déménagé il y a 3 jours. Alors, ça, c'est une chose que j'ai fait, pas une entrevue, mais j'avais une réunion formelle et j'ai dit à les personnes qui sont là,
Regarde, mon chambre est un désastre à ce moment. Alors, je vous aime. Je ne veux pas me cacher, mais je n'allume pas mon caméra à ce moment. Alors, ça, c'est quelque chose de personnel, mais ça, c'est quelque chose que je suis confortable et ça, c'est quelque chose qui est pertinent à la conversation. Alors, c'est vraiment de savoir vos propres limites. Je pense qu'il n'y a pas vraiment une règle pour moi. C'est comme Mélanie a dit, savoir vous-même, savoir qu'est-ce que vous êtes confortable avec. Et ce n'est pas la même pour toutes les personnes. Il n'y a pas une règle que je vais assigner à tout le monde qui est de parler à propos de ça, parler pas à propos de ça. C'est votre vie, c'est votre limite et c'est vos confortabilités. Superbe réponse, Jillian. J'ajouterais seulement d'essayer de trouver une façon de le garder plus ou moins constructif ou même pas purement positif. On a tous des mauvaises journées, puis moi aussi j'en parle sur les médias sociaux, mais j'essaie toujours de garder un équilibre. Comment est-ce que je peux partager mon expérience pour que quelqu'un d'autre puisse en apprendre une leçon? Puis il y a certaines choses qui peuvent te guider. Disons que tu es en train d'utiliser les médias sociaux, puis tu es frustré, puis tu veux parler ouvertement d'un problème. En autant que tu ne critiques pas ouvertement un ou une collègue, le gouvernement tel quel. Alors, regarde bien le code de conduite des fonctionnaires. Ça va vraiment vous aider. Puis autre que ça, d'essayer de le garder relativement positif. J'avais vu un tweet l'autre jour de quelqu'un qui parle ouvertement de ses défis. Mais là, il y avait un tweet qui disait « Je déteste ma belle-mère! » Alors, peut-être un peu hors de sa ligne, j'encouragerais peut-être de retrouver sa ligne et de retrouver son brand. Mais au cas ça, il y a plusieurs façons de rester authentique. Mais je pense que c'est important de critiquer. Tu peux être critiqué toi-même, mais critique pas des autres personnes. C'est ça. Et moi, je n'entre pas dans les entrevues comme « Je suis une personne anxieuse! » Ça, c'est pas le cas. Je dis à tout le monde dans l'entrevue, mais si ça arrive, je ne veux pas cacher, c'est quelque chose qui est dans ma vie. Si mon mari me croise à l'arrière, s'il y a un cœur d'un chat, un nez d'un chat, j'aime tellement mes chats, j'adore mes chats, et ça, c'est quelque chose vraiment personnel, mais ça, c'est une chose, c'est une partie de ma vie. Et si quelqu'un n'aime pas cette partie de ma vie, peut-être que je ne suis pas la bonne personne pour la poste. Alors, c'est vraiment, ça, c'est quelque chose pour garder en tête que maintenant, je suis plus avancée dans ma carrière. À l'avant de ma carrière, je suis comme, je veux juste un emploi, je ne care pas c'est quoi l'emploi, je veux juste un emploi. Mais maintenant, on peut choisir un peu, c'est un privilège d'avoir la chance de choisir un emploi. Mais j'ai fait des entrevues tellement formelles et je suis comme, je ne suis pas une personne si formelle, je pense que je ne suis pas la bonne personne pour ce travail-là. Alors, ça, c'est une chose de voir comment, c'est quoi le vibe de votre équipe, c'est quoi le vibe de votre intervieweur. Et peut-être tu peux changer toi-même les exemples à le vibe de l'entrevue, mais aussi de garder en tête que vous ne serez pas peut-être la bonne personne pour l'équipe et l'équipe ne sera pas la bonne équipe pour toi. Et puis, pour bien terminer notre séance sur bien appliquer appliquer les principes de TikTok, là, avant les mots de la fin, ma dernière question pour vous, c'est comment est-ce que c'est possible d'apprendre à utiliser TikTok pour partager son point de vue en gardant en tête là, ce que vous venez juste de lister pour être certain de rester dans sa ligne et tout. Là. Donc, je suis curieuse d'entendre vos commentaires là-dessus. Mélanie? J'ai une présentation que je peux partager. Elle est en anglais, mais j'avais fourni mes propres conseils sur l'utilisation des médias sociaux, comment trouver sa ligne, comment commencer à utiliser des choses comme Twitter, puis LinkedIn, puis TikTok. Écoute, si vous voulez l'utiliser et vous n'êtes pas certain ou certaine comment commencer, vous pouvez toujours nous taguer, moi puis Jillian, puis on va vous donner de la rétroaction en disant « Ouais, super, retweet,
j'adore ce matériel, ou vous envoyez un petit DM comme je suis pas certaine que vous êtes dans la bonne voie, dans la bonne ligne. Alors, regardez-nous comme un environnement vraiment sain et sécuritaire pour expérimenter un peu sur les médias sociaux. Un exemple sain et sauf que tu peux utiliser, c'est de faire des retweets des personnes et des comptes officiels. Alors, le compte, il y a le premier ministre a deux comptes, son compte personnel, son compte qui change à premier ministre qui est géré par la fonction publique. Ça, c'est quelque chose qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes à regarder ces tweets déjà. Ça, c'est quelque chose sauf. Les comptes de, je vais donner un exemple de Sarah Paquette, elle est ministre députée, elle a beaucoup de tweets qui est là-bas, qui est vraiment respecté des comptes Twitter de transport, de DFO. C'est vraiment quelque chose que tu peux commencer à retweet pour joindre la conversation, pour répondre à les questions qui sont sur là. Et après, tu peux faire des propres tweets. Et pour moi, je pense que c'est vraiment pas une exigence de garder votre compte tellement professionnel tout le temps. Je tweet des gifs de RuPaul's Drag Race, je tweet des histoires, des chats vraiment cute, mais j'ai aussi tweet à propos de la diversité, l'inclusion, le féminisme au sein de le gouvernement. Alors, je pense, mais ça, c'est mon personnalité. Je pense que je ne suis pas juste une personne professionnelle. J'ai une vie hors de mon profession, de mon 9 à 5. J'ai une vie de mon 5 à 9 et 5 pendant la nuit. Alors, je pense que c'est important de se présenter toute votre personnalité en ligne si ça, c'est un limite que vous êtes confortable avec. Très intéressant. Et puis, pour le mot de la fin de nos deux panélistes, je vais demander à chacune d'entre vous de vous offrir votre conclusion et ce, en 30 secondes, comme on ferait sur TikTok. Mélanie? Oui, en 30 secondes, écoutez. Le processus d'entrevue, c'est des fois vraiment stressant, mais prenez-le comme une opportunité de se pratiquer, d'apprendre un peu plus à propos de vous-même. Essayez de vous entourer de gens qui peuvent vous coacher, vous aider, vous n'êtes pas seul. Puis comme Jillian l'a dit, la personne qui passe en entrevue est autant nerveuse que vous autres. Donc, ça, c'est une bonne façon de gérer un peu notre anxiété. Si vous êtes introverti, utilisez le côté un peu plus performance ou parler un peu plus du cœur. Si vous êtes extroverti, utilisez votre charme. Écoute, mes enfants viennent d'arriver. Voilà la vie quotidienne pendant la pandémie. Je le passe à Jillian. Pour moi, j'ai juste écrit des petites notes. C'est étrange pour tout le monde. Vraiment, parler à un écran, c'est étrange pour tout le monde. Maintenant, ça, c'est étrange encore. J'aime beaucoup mes deux collègues qui sont ici. J'aime beaucoup les 100 personnes qui sont ici, mais c'est étrange encore. Alors, c'est étrange pour tout le monde. Donnez des exemples pertinents. Donnez des exemples quantitatifs. Donnez des exemples smart. Parler de le processus, parler de soi-même, ce n'est pas un temps pour être plus petit, c'est un temps pour vraiment pousser vos épaules en haut, pour vraiment donner des exemples de votre vie personnelle. On ne veut pas de fluff. De fluff, c'est le temps pour un coffee chat après, ce n'est pas le temps dans l'interview d'être un ami. Et aussi, demander des rétractions. Moi, je demande beaucoup de rétractions pendant mon travail et pendant les entrevues. Alors, ça, c'est une chose que je vais demander ou vous laisser avec. Et la dernière question, c'est quoi le nom de mon lumière? Le nom de mon lumière, je vais trouver le nom. C'est You Busy, c'est ça, je ne sais pas, c'est juste j'ai acheté d'Amazon, c'est vraiment pas un product placement, je ne suis pas sponsored par You Busy, mais ça c'est le nom de mon lumière. Wow, jusqu'à la fin, Jillian va répondre à toutes vos questions qu'on a dans le chat, on le voit bien à l'instant. Je vous invite, bien, premièrement, je tiens à vous dire merci à tout le monde qui est en ligne aujourd'hui, qui avait pris le temps de vous joindre à nous. Je veux donner un super gros merci très spécial à nos panélistes
fantastiques. Je vous invite à aller les joindre, à les suivre en ligne. C'est deux personnes vraiment super intéressantes que je suis sur nos réseaux sociaux. Puis, tous les liens là, des ressources d'aujourd'hui vont se trouver sur la page Wiki du Camp de carrière. Le lien est partagé dans l'espace de discussion en ce moment même. Je vous invite également à vous assurer de participer à l'événement de réseautage qui met en vedette des réseaux régionaux de jeunes fonctionnaires fédéraux. Cet événement-là va suivre immédiatement sur la plateforme WonderMe. Le lien est disponible dans l'espace de discussion également. Donc, c'est une belle façon d'augmenter, d'améliorer son réseau et tout. N'oubliez pas de consulter les autres segments du camp de carrière, dont ce n'est pas encore fini, soutien pour la suite du processus qui a lieu le 25 janvier à 11h, heure de l'Est. Et encore une fois, merci d'avoir été des nôtres et bon camp de carrière 2022.